Vadon et Radin. Préhistoire. On a plus de chances de trouver Mathusalem à cette époque-là. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes? Le 21e siècle. Oh, la pollution, bon, c'est pas bien rigolo. Qu'est-ce que... Cette fois, c'est lui. Time, Lock, hurra, on a trouvé Mathusalem. Note les coordonnées, j'avise le contrôle de notre départ. Hé, il se dirige vers le passé. Ah, c'est l'affaire de 2 ou 3 jours, tout au plus. Le temps que mon petit-neveu retrouve ses forces, mon extrait de champignons reconstituant remettra vite ce galopin sur pied. Nous veillerons sur le château. On en profitera pour faire la toilette du parc. Le jardinage, ça tient en forme. Ah, ne manquez pas le passage de la comète ce soir. J'ai pointé le télescope dans le laboratoire. Merci, monsieur le comte, et bon voyage. Il n'y a qu'une tronçonneuse. Ce qu'il nous faudrait, c'est plutôt une faucheuse. On est assez. Ah ouais, sans rire. Tu viens? La grande comète ne va pas tarder à être visible. Eh ben, tu peux la garder, ta comète. Je t'assure que je ne vais pas tarder à m'éclipser. Oh, un petit effort, elle ne passe à proximité de la Terre que tous les 76 ans. Oh, allume, Fantasio, je n'y vois rien. Oui. Oh. Fais attention, c'est rempli de produits très dangereux. Oh, oh, voilà. Oh non! Ah. Sortons d'ici au plus vite. Ah. Oh. 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 Oh, où suis-je? Ah, oh, le chloroforme. Oh, ma tête. Ça venait du parc. Oh, on dirait un vaisseau venu de... Et moi qui viens de tondre la pelouse, où est le chauffard qui a osé faire ça? Pardon, jeune Jean, pouvez-vous me dire où je suis et en quelle année? Monsieur de Champignac, vous êtes déjà de retour au château? Monsieur de Champignac, je suis au château de Champignac, sabre de la Zephyrus. Oh, le transfert a été parfait. Ah, alors, vous êtes Spirou? Et vous, Fantasio? Mais oui, ça me revient maintenant. Ah, le succès, enfin. Quand je pense que vous étiez là, vous aussi, quand cette horloge m'est tombée sur la tête, m'inspirant le travail de toute une vie. Voyons, monsieur le comte, vous nous avez quittés ce matin pour aller soigner votre petit-neveu. Vous ne vous rappelez pas? Non, parce que je ne suis pas le comte. Je suis son petit-neveu. Ah. Hein? Hein? Regardez ce tableau. Comparez mes traits avec lui, vous ne remarquez rien? Oh, j'y suis, votre moustache est taillée différemment. Oh, mais alors, si vous êtes son petit-neveu, c'est que vous venez directement du... Du futur, exact. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de la science-fiction? À cette époque-ci, voyager dans le temps relève de la fiction. Mais moi, Aurélien de Champignac, j'ai réalisé ce vieux rêve de l'humanité et vous êtes les premiers témoins de cette éclatante réussite. Absolument incroyable. Non, mais ne me dis pas que tu vas avaler ces sornettes. Décalage horaire, je dois me reposer. Bonne nuit tous les deux, on se revoit au petit déjeuner. Mais surtout, dormez bien, j'aurai une proposition à vous faire demain. Time lock, transfert opéré. Oh,
Mathusalem est bien arrivé. Non. Un chat. Il s'est trouvé dans la zone. Oh, il se réveillera dans une heure ou deux avec un peu plus d'expérience. La mission d'abord. Avez-vous observé le passage de la comète la nuit dernière? Pas vraiment. Pourquoi? Mais parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire le voyage. J'ai découvert que pendant les quelques jours où la comète est proche de la Terre, il se produit une altération temporelle qui permet à l'explorateur de papillonner d'une époque à l'autre. Oui, alors soit je rêve, soit vous êtes le plus grand des menteurs. C'est exactement ce que m'ont dit mes collègues. Ils m'ont même gratifié du sobriquet d'horloger de la comète. Mais comme dit le proverbe, rira bien qui rira le dernier. Comment? Pour convaincre mes confrères, j'ai besoin d'une preuve tangible. Ah, ramener quelque chose qui n'existe plus à votre époque. Exact. Et ce quelque chose est une plante rare que la pollution a fait disparaître. Ce que je cherche se trouve dans la jungle palombienne. En Palombie? Une région hostile, surtout la jungle, c'est pas la place d'un vieil... Enfin, je veux dire de... Je vous arrête, je n'ai jamais dit que j'irais seul. Et c'est là qu'intervient la proposition dont je vous ai parlé. Ah, vous voudriez donc que nous allions avec vous? Et c'est pour ça que vous êtes là, alors? Oui, et pardonnez-moi, j'ai peut-être présumé de votre accord, mais dans mes souvenirs, vous étiez tous deux d'illustres et intrépides aventuriers. C'est d'accord, nous allons avec vous. Et quoi? Ah, merci, Spirou. Mais nous devons partir vite, le temps presse. J'ai à peine 3 jours pour faire ce voyage et revenir à mon époque, avant que la grande comète ne s'éloigne trop de la Terre. Ah ouais, qu'elle s'éloigne trop. Ah, tout semble en parfait état. Allez, vous pouvez monter. Spirou, voyons, nous n'allons pas voyager à bord de ce truc. Il y a des lignes aériennes. Mais l'avion est beaucoup trop lent. Nous y serons en un rien de temps. Allez! C'est bien ce qui me fait peur. Aucun danger. Vous allez vous réveiller vite. Je me réveille. Oh, c'est un miracle! Mais où est passé Aurélien? Ici Aurélien. Ainsi que vous avez pu le constater, nous sommes arrivés à destination. Vous allez vous réveiller bientôt, si ça n'est pas déjà fait d'ailleurs. En attendant, je suis allé en reconnaissance. Fin de l'enregistrement. Ça fait plus de 2 heures qu'il est parti. Génial! Il se débrouille pour nous emmener avec lui et à peine arrivé, il part seul se balader dans la jungle. Time lock! Oh, encore? Ah, toi et tes repérages à la noix. Ah, si tu crois que c'est facile de repérer un Indien déguisé en buisson. N'empêche, si tu continues à mettre des sujets à la retraite anticipée, c'est nous qu'on va envoyer à l'hospice. Dépêche-toi, ils sont partis par là. Oh, un cimetière. 1529. Nous sommes tombés sur un site archéologique. Je trouve pas ça bizarre. Ces croix sont restées plus de 400 ans dans la jungle et... Mes amis, une catastrophe! Ah, enfin, vous voilà, où étiez-vous passé? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on n'est pas mardi gras. Mais enfin, dites-nous ce qui se passe. Oh, c'est trop tard. Comment ça, trop tard? Que voulez-vous dire? Oh, bravo, les gars. Très réussi, vos costumes. Falam! C'est ça, Falam à vous aussi. Alors, oh là, oh, oh. Ce sont des soldats portugais. Mais ils sont... Oui, nous sommes arrivés en plein 16e siècle. Quoi? Réellement sublime. Suivez-nous chez le gouverneur. Mais comment ça se fait? Oh, j'ai dû endommager quelque chose en atterrissant au château. J'aurais dû vérifier la machine avant que nous ne partions. 1. Ah, dommage que j'ai pas ma caméra. Les copains ne voudront jamais... Aïe. Silence et avancez! Ça annonce mal. Si je me rappelle mon histoire, nous étions en guerre contre le Portugal. C'est génial, on tombe vraiment bien. Ah, nous sommes en 1531, c'est logique. Mon appareil ne peut nous transporter qu'aux époques de passage de la comète près de la Terre. Oh, c'est très encourageant. Ah, moi, ça m'inquiète. Comme ce passage ne dure que quelques jours, nous devons repartir d'ici très rapidement. Parfait. Nous sommes coincés ici 500 ans trop tôt et il n'y aura aucun vol possible avant 76 ans. Au moins, les compagnies aériennes ne perdent que les bagages, elles. Ah,
Venez, le gouverneur vous attend. Les prisonniers sont ici. Oh, ravi de vous voir, messieurs les espions. Comment va François Ier ? François Ier ? Je me présente, Don Alvaro Moru. Et voici le seigneur Don José de Conquaque, gouverneur gouverneur de la région. La couronne du Portugal n'ignore pas que le succès de ses marins suscite la jalousie de l'Europe entière. Plusieurs pays seraient heureux de mettre la main sur les innombrables richesses du Nouveau Monde. François Ier, surtout. Vous passez aux aveux le premier. Et consignez ces aveux. Oui. Oh. Il n'a pas encore commencé à parler. Ce n'est qu'après qu'on les arrangera. Je vous écoute. En fait, nous venons tout simplement du futur. C'est à cause d'un transfert imparfait que nous avons atterri dans le passé. Nous n'y sommes peut-être pas les bienvenus, mais nous ne sommes pas des espions. Bien, vous avez capté son attention. Suffit ! Des plaisantins, hein ? Nous verrons bien si le bourreau ne vous soutirera pas autre chose que ces fables ahurissantes. C'est prêt, mes seigneurs. Commencez par celui-là. Vous allez voir, notre bourreau a des méthodes très modernes. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Parle, et je t'obtiens une remise de peine confortable. 20 ans de galère, nourri, logé aux frais de la couronne. Merci, je n'ai pas besoin d'exercice. Qu'est-ce que tu caches là dans ta botte? On jurerait un pamphlet subversif. Appel au soulèvement général contre Don José Conquaque. Révoltez-vous contre son infâme dictature. Abat cette honteuse tyrannie, suce à l'ignoble sac à Porto, mort au pachyderme enfariné. Assez ! La signature ! Sincèrement vôtre des trois espions de François Ier que vous avez attrapés. Il va falloir que j'améliore mon style. Cette note est si mal rédigée qu'on la croirait de votre patron. Encore un de ces espions qui se croient malins. Utilise la manière forte. Et ce qui est bien, c'est que ça ne laisse pas de traces. Continue. Incapable, assassin, vaurien, reconduisez-moi ces stupides espions dans leurs cellules. Riez, riez. Cette fois, le gouverneur a perdu patience. Demain, à l'aube, vous trouverez ça moins amusant, car tous les trois finirez la corde au cou. Je ne comprends pas. Je n'ai rien senti du tout. J'espère que notre rendez-vous à l'aube ne sera pas plus douloureux. Ah, allons, Aurélien. Tout n'est pas perdu. Écoutez, voilà le plan auquel... Spip, il nous a retrouvés. Que t'est-il arrivé? Tu comprends quelque chose? Je crois qu'il a assisté à un combat.
Écoute-moi bien, Spip, fais attention. Tu vas pouvoir nous aider à nous échapper. Tu vas rester ici pendant que nous allons faire du bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Vite, enfilez un uniforme avant que d'autres gardes n'arrivent. Nous sommes sur l'esplanade. Il va falloir faire un bout de chemin à découvert. Nous sommes presque arrivés. Courage. Un peu primaire comme conception, non? Oh, bon, faites tout de même, faites tout. Attention, les Français! Oh! Venez par ici! Ils sont là! Je suis un ami de l'esprit de François Ier. Quoi? Ah, eh bien, si vous pensez pouvoir nous aider. Et suivez-moi. Thomas, après vous, monsieur. Hein? Souffert tout à l'heure, j'ai horreur de faire du mal. Le livre était deviné. Ah, ben voilà pourquoi j'ai rien senti. Ah, Dieu et son âme. Bien sûr, je n'étais pas encore bourreau à l'époque. Oh. Les quais, à partir d'ici, je ne peux plus rien faire pour vous. Vous en avez déjà fait plus qu'assez et nous vous en remercions. Et vous, qu'allez-vous devenir? Je vais leur faire croire que vous m'avez assommé. Mais je peux arranger oh ça. Oh non, pas la peine d'allonger ce qu'il faut. Ce somnifère fera l'affaire. Et comment suis-je? Très convaincant. Vive le roi. Oh. Ils sont là, les Français, ils sont là. Oh. Sac à vinyle, la comète est dans sa phase d'éloignement. Oh, nous n'avons plus que quelques minutes. Oh, les Palombinos, ah, il manquait plus qu'eux dans le décor. Ah, ils doivent nous prendre pour des soldats portugais. Pressons, pressons. Nous sommes condamnés à passer 76 ans dans ce bled. Ouais, si nous vivons jusque-là. Pourquoi cette horloge m'est-elle tombée sur la tête il y a 76 ans? Rien de tout ceci ne serait arrivé. Oh! Hein? Oh! Oh! Time lock. Ah, c'est reparti. Quand les Palombinos s'en vont, ce sont les Martiens qui débarquent. Et encore un qui était trop près. Agent spatio-temporel Durand et Dupuis pour vous servir. Mathusalem, je présume? Je me présente, Aurélien de Champignac, scientifique agrégé et humble serviteur de l'humanité malgré elle. Ah, bien sûr. Mathusalem est le nom de code attribué par la commission temporelle de contrôle. Ah, il aura fallu en visiter des époques pour vous retrouver. Nous avons été chargés de vous protéger. Vous êtes un précurseur du voyage temporel. S'il vous arrivait malheur, tout l'avenir de l'humanité serait compromis. Tout l'avenir de l'humanité serait compromis. La consécration, enfin. N'ayez aucune crainte, nous avons des ordres pour vous ramener dans votre propre époque. Approchez. Oui, et empressez-vous d'oublier tout ça. De toute façon, personne ne vous croirait. Bien, n'ayez pas peur, c'est sans doute...
Où suis-je? Ah, le chloroforme. Sans douleur, mon œil, oui. Oh. Mais alors, tu as fait le même rêve? La forteresse? François Ier? Toi aussi? Oh, quelqu'un arrive! Mes amis, comment allez-vous? Je vous amène un petit pensionnaire, mon petit neveu Aurélien. Dis bonjour, Aurélien. Yé, yé. Hein? Oh. Yé, Aurélien. Ah, oh, au moins sa santé s'améliore, même si ses manières restent douteuses. Quelques jours dans la nature achèveront de le remettre sur pied. Ah oui? Yeah, toujours aussi distrait. Il n'a même pas remarqué ma pelouse. La grande comète, avez-vous eu le temps de l'observer depuis avant-hier? Depuis avant-hier? Avez-vous dit... Sac à papier! Oh. Chambre de bois! Oh! Oh! Mais... Voilà, ce n'est pas grave. Quelques contusions tout au plus. Que cela te serve de leçon, petit turbulent. Laissons-le se remettre de ses émotions. Ah, il me donne bien du souci, ce petit. Je me demande parfois si nous arriverons à en faire un authentique de Champignac. Si j'étais vous, je ne me ferais pas trop de soucis.